C'est une grande image, mais c'est bien. Il va y avoir des figurants, il va y avoir une arène de cirque romain du futur, trois héros qui atterrissent sur la piste, l'Orline et le vieillard en train de parler. Si je décide pas de tout changer après, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être comme ça, on va le voir. Hein. J'en sais rien. Mais c'est sûr qu'une image de cette grandeur-là, c'est 2 à 3 jours de travail. Hein. Faut pas se leurrer. Jean-Claude recommence un nombre incalculable de fois par rapport aux autres dessinateurs, des images, voire des planches entières, voire des séquences entières. Je pense qu'il perd des heures carrées à faire semblant de travailler, à recommencer, à bidouiller, à sortir, à revenir, et où ça n'avance pas. Bon, voilà, c'est sa manière de faire. Et tant que lui, il s'auto-valide pas sur une case ou une planche, de fait, elle reste à l'état virtuel. Moi, je suis pas fiero de mes dessins, hein. J'ai du mal. Il y a cette espèce d'angoisse, et je suis comme un acteur, je veux dire traqueur, je suis traqueur dans faisant du dessin, je traque. Salut, je te fais pas la bise, mais non, ouais, c'est ça. Bon, donc, écoute, moi, je n'avais pas vu les films, j'ai donc découvert. Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand même, allez voir, c'est que lorsque tu dessines au crayon, tu gommes pas mal. Mais lorsque tu prends ta plume ou ton pinceau, j'ai pas vu le moindre remords. Non. Si, 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 non, mais dans le film, il n'y en a pas. Ah non, mais avant. Avant, d'accord. Non, parce que je sais pas, comme tu l'expliques bien dans le film, la bande dessinée, c'est comme le cinéma, c'est d'abord la narration, c'est d'abord la mise en scène. Et enfin, c'est bien d'avoir choisi cette planche où justement tu recommences. C'était pas volontaire. C'était pas prévu par le scénario l'origine. Non, mais c'est parce qu'il faut dire que pour un dessinateur qui travaille chez lui tout seul, évidemment, face à la feuille de papier à dessin, quand on a un zygomar comme celui-là qui arrive avec juste un petit appareil photo cinéma vraiment tout petit, etc., mais qu'il faut, c'est pas normal, parce que j'étais plus préoccupé par évidemment l'image qu'il allait tourner que l'image que je produisais devant moi. Et là, évidemment, je me suis complètement planté, ce qui prouve que justement la réflexion, c'est de bien réfléchir à ce qu'on va faire. Et pour les dessinateurs, c'est pas pisser de la copie et dessiner plus vite que son ombre, mais c'est juste simplement bien réfléchir à comment je raconte l'histoire, du moins dans le concept d'un dessin très narratif comme celui que je fais. C'est sûr que chaque dessinateur, selon son style utilisé, ça devient très différent les uns des autres. Lorsque les Peanuts, Charles Schulz dessinait ses Peanuts, c'était quasiment tout le temps la même petite silhouette de profil ou de face, et ça marchait très 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 bien. Et il ne recommençait pas ses dessins. Non. Mais moi, je suis un spécialiste de ça, de recommencer. Mais ça, c'est mon problème. Et c'est comme ça. En tout cas, ça nous rapproche de l'univers du cinéma, et je crois que quand tu es jeune, enfin, que le cinéma joue un rôle extrêmement majeur dans l'élaboration de ton propre univers. On a vu une image tout à l'heure dans le PowerPoint où on te voyait quand tu étais allé faire le cowboy aux États-Unis dans ton premier séjour là-bas. Qu'est-ce que tu regardais comme film quand tu étais jeune et qui ont joué un rôle quand même sur... C'est là que d'abord, attention, il faut mettre le cinéma
C'était donc le cinéma après la guerre, la libération, et le côté, évidemment, nos productions américaines étaient très impressionnantes. Les premiers films en Technicolor, j'ai quand même vu Le Bal des Sirènes avec Esther Williams. Pourquoi Le Bal des Sirènes? Parce que je crois que c'était le premier film en couleur que j'avais vu. C'était quand même une magnifique nana qui souriait sous l'eau, et ça je me demandais comment elle faisait pour pas cracher des poissons rouges. Vraiment. Et puis il y avait un mec à cheval qui traversait une palissade, et il y avait sa découpe. Il y avait ça, des coupes que j'ai réutilisé le gag dans plein d'albums, où on voyait la silhouette du cavalier qui partait au loin, et la découpe à travers les planches de la palissade. Bon, c'est des trucs qui marquent comme ça, qui sont... ça sert à rien, mais c'est ça la mémoire. Et puis, et le plaisir, alors, de raconter des histoires fantastiques, extraordinaires. Moi, d'abord, en plus, parce que je ne suis pas un dessinateur réaliste, je n'aime pas dessiner, recopier des photos, ça m'ennuie. Les rares fois où ça m'arrive, ça m'ennuie énormément de recopier un document. Alors maintenant, en plus, c'est Internet, et même plus le plaisir de feuilleter des beaux bouquins. Maintenant, tu vas chercher des millions de photos, et c'est jamais la bonne photo que tu as envie de trouver, parce que moi la photo je l'ai là et je veux vérifier simplement un truc technique. Et le dessin réaliste c'est pas ça, et la science-fiction c'est évidemment le bon véhicule pour dessiner ce qu'on a envie de dessiner et que ce qu'on a envie de dessiner. Mais quand même le National Geographic je crois a joué un rôle essentiel dans tes décors. Absolument, mais pas sur la science-fiction. Non. Sur les costumes, évidemment. J'ai toute une collection. Si ça intéresse des gens, j'ai une caisse entière de National Geographic des années 50 et 60 qui m'en compte depuis 30 ans maintenant. Et j'en ai plus besoin. Et j'offre ces National Geographic que je ne veux pas jeter. Mais donc, c'est vrai que c'était des documents où, à l'époque, tout le monde ne s'habillait pas avec un t-shirt et un jean n'importe où dans le monde. C'était des costumes traditionnels, comme ça. Et pour créer une peuplade extraterrestre, rien de mieux que de regarder des tenues des gens d'Indonésie ou de trucs comme ça, avant qu'il y ait des sacs plastiques partout. Alors, tu faisais une remarque tout à l'heure, quand tu parlais d'Esther Williams, sur tout à coup, brusquement, le premier film en Technicolor et tout ça. Mais alors, pourquoi tu as demandé à ta sœur de faire les couleurs? Elles auraient dû te marquer et te donner envie de les faire toi-même. Alors, je passe pour un dessinateur pas très productif. Oui, c'est vrai que c'est la lenteur. Et la lenteur, parce que je mets à peu près 2 ans pour faire un album, et si je faisais en plus les couleurs, je pense qu'elle serait peut-être moins bien que celle qu'elle fait, et deux, ça serait au moins 6 mois de plus de travail entre chaque album. Bon, donc non, mais c'est on a tous les dessinateurs, que ce soit Giraud, que ce soit d'autres qu'on a bien connus, envie de faire les couleurs soi-même, puis au bout de 3 pages, tu dis, mais je ne vais pas faire 50 pages comme ça. Et quand il y a des gens qui peuvent justement faire ça mieux que toi et que ça va débarrasser, ça soulage, c'est formidable, quoi. C'est évident. Et c'est pour ça que les coloristes, avant, étaient considérés comme la roue de secours des bandes dessinées et des dessinateurs. Alors, et c'est pour ça qu'il y a eu, mais ça aussi c'est le problème de l'imprimerie, les qualités de l'imprimerie ont fait des progrès extraordinaires. Donc, évidemment, les couleurs, c'est mieux maintenant quand c'est bien imprimé que quand c'est mal imprimé. Et évidemment, le crédit en vient au bon coloriste, quoi. Alors qu'avant, le ciel était bleu, les arbres étaient verts. Et le pantalon était rouge. Allez hop. Ouais, d'ailleurs, on voit ça dans les... Quand Maurice commence à faire dans Lucky Luke des ciels jaunes canaries ou des trucs comme ça, dans ce blanc, on se dit il se passe quelque chose un peu dans la bande dessinée, quoi. Oui, il choisissait justement des codes graphiques
très personnel et très simple, très économique. Oui, très très simple. Ça, alors là, parce que c'était fait, je sais pas comment étaient faites les couleurs, si c'était de la gouache ou pas, ou si c'était du bendé, mais ils décidaient que la case serait entièrement rouge, parce qu'il y a une explosion. Allez hop, boum. Voilà. Ça convenait très très bien au côté humoristique et exagéré de Lucky Luke, mais c'est formidable. Ouais. Une explosion, boum, au début, moi aussi, en tant que lecteur. Ça et c'est une différence avec le cinéma. Ouais. Ah ben ça, le cinéma, Dieu sait que tous les dessinateurs sont des grands amateurs de cinéma, c'est très rare que j'en connaisse pas, des qui ont très envie de voir le cinéma, des films, mais en même temps, c'est un art mais complètement différent parce que le dessinateur, une fois qu'il a investi avec l'argent qu'il a au fond de la poche dans une feuille de papier à dessin et une bouteille d'eau de Chine, il peut travailler pendant 6 mois. Le cinéaste, bon, c'est évidemment des montages financiers monstrueux et la préoccupation de la création pure. C'est en dernier, enfin, c'est évidemment à la base, mais après, c'est en dernier, c'est-à-dire que quand il reste, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'idée. Ou du moins, elles ne sont pas réalisées. Alors, mais peut-être qu'on peut... Oui, Evelyne, toi, comment tu rentrais dans l'univers de ton frère? Est-ce que ça s'est fait spontanément? Parce que la science-fiction, c'était un truc à toi aussi, parce que... Non, pas du tout. Alors explique-nous. Tu ne veux pas me dire ce qu'il faut que je fasse? Non, moi j'attends évidemment d'avoir le dessin, et puis les toutes premières pages, ils avaient commencé, moi j'ai pris en cours de route, et puis voilà, j'ai suivi. Ça s'est fait dès le début, hein? Dès le premier album. La moitié du premier album, j'ai commencé. Cité des émouvantes. Oui. Ouais. À la moitié de l'album. Mais comme avant, j'avais fait un Astérix et aussi le premier album de Philémon, j'avais fait Le Naufragé du A. Ah ouais. Donc au point de vue technique, pour la couleur, j'étais déjà dedans. Ouais. J'étais pas complètement débutante là. Voilà. Et puis même des pages de Jean Giraud, j'avais fait avant, sous l'œil de Jean. Ouais. Oui, elle choisissait pas les plus mauvais dessinateurs de l'époque. Non, c'est pas ça. Elle les a pas choisis. C'est une question de génération. Ouais. Voilà, je suis arrivée au bon moment. C'est trop de couleurs. Ouais. C'est que quand la couleur bouffe le dessin, c'est là justement la grande. L'accord qu'il faut avoir avec le coloriste ou la coloriste, c'est que la couleur est au service de l'image, qui est au service du récit, bien sûr, mais que tout ça, c'est un mélange. Et si vous avez la coloriste qui commence à prendre son pied, en disant « Ah, mais moi, je mets mes petites couleurs là », eh ben, elle pète le dessin complètement, elle l'éclate, et on ne lit plus ce truc. Alors que la couleur doit être justement le contre, c'est comme un accompagnement de musical, quoi. Vraiment, il faut soutenir, il faut proposer, il faut comprendre. Et alors c'est vrai que c'est plus pratique avec sa frangine qu'un mec qu'on ne connaît pas dans un studio. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a quand même énormément de dessinateurs qui travaillent avec leur compagne aussi. Tu vois, avec leur épouse, leur fiancé. Ou le meilleur. Oui, des fois, oui. Et à ce moment-là, il y en a beaucoup qui se séparent. Je dis, alors que moi, je n'ai jamais pu me séparer de lui. Alors, comment s'est passé un peu le tournage quand même, Avril? Parce que c'est quand même une intrusion qu'on ne sent pas trop d'ailleurs dans le film, c'est ça qui est bien. Mais comme il disait, j'ai la caméra dans le dos, ça a peut-être un peu chaud. D'ailleurs, à mon avis, c'est ça qui a fait qu'il s'est planté, hein, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Explique-nous 2 secondes. Chacun sa version. Moi, j'ai envie de croire qu'il s'est planté pour me faire plaisir et pour offrir au film son axe majeur, son pivot sur lequel je pouvais bâtir ma narration. Mais c'est vrai que le matin où je suis arrivé chez Jean-Claude et où j'ai sonné, il a ouvert la porte, il avait l'air déconfit, il me dit « on va tout recommencer ». Je lui dis « oh, attends, je vais mettre la caméra en place, tu me le dis pas en off, on le fait en ligne ». Je me suis frotté les mains et j'étais très très réjoui. Et voilà, merci beaucoup.
Mais c'est difficile à filmer quelqu'un en train de dessiner, mais je pense que c'est encore plus difficile d'être filmé quand on est en train de dessiner, effectivement. Ah oui, évidemment. Et c'est tout le... Quand moi j'approche un dessinateur, que je le rencontre pour le filmer, c'est vraiment la clé de la chose. C'est-à-dire que s'il y a pas, si j'arrive pas à m'effacer, je fais pas le film. Parce que ça va mal se passer. Non pas qu'on va passer un mauvais moment, mais juste, j'arriverai pas à capter quelque chose qui s'approche en tous les cas de la vérité. Alors moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est de filmer comme si vous étiez dans l'atelier, comme si moi je n'étais plus là et qu'il était seul ou que Evelyne était seule. Donc généralement, c'est ce qu'on a fait avec Jean-Claude, j'arrive et je dis voilà, on va faire un test, on va voir, moi faut que l'énergie soit fluide. Donc je pose ma caméra, je prends une après-midi, donc je suis arrivé chez Jean-Claude, on a pris une après-midi, on a filmé, puis à la fin on a débouché une bouteille de bière, on était content. Ça allait a priori quoi, et voilà, mais c'est vrai que c'est difficile. Et le lendemain, catastrophe. Mais ce qui est aussi délicat, c'est qu'en fait, quand on filme un dessin en train de se faire, nous, on le voit avec notre regard de spectateur, vous, moi, quand j'étais dans la salle, c'est-à-dire qu'on assiste à sa naissance et il y a toujours un émerveillement. Moi, je l'ai toujours, en tous les cas. Mais quand on est derrière sa caméra, on ne peut pas être dans cet émerveillement. On ne sait pas ce qu'on va filmer, on a choisi de le filmer de telle manière au préalable. Donc, on est toujours menacé d'un décalage avec la réalité. Et en même temps, il faut toujours accrocher les wagons. Donc, il y a énormément de pertes, énormément. Donc, on laisse partir des choses. Et donc c'est un travail où il faut vraiment essayer de créer une forme de fusion avec le rythme de la personne qui dessine, essayer de s'ajuster au maximum, se conjuguer, voilà. Et ça c'est passionnant à faire, vraiment, à vivre. On va peut-être demander à la salle de poser quelques questions quand même, parce que ce soit une rencontre et pas seulement vous assister à un petit show. Oui, alors j'ai le micro, levez la main et voilà. Profitez-en d'avoir tout le monde réuni là. C'est la première fois que c'est projeté en même temps et que vous avez quand même les principaux protagonistes ensemble. Donc, balancer des tomates. Ne soyez pas timide. Là-bas, je vais passer, allez-y. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, je ne sais pas sans dévoiler trop, est-ce que vous pouvez nous. Comment je vais présenter les choses ? Vous évoquez un petit peu. Parce que là, c'était au sujet de souvenirs du futur. Donc, vous êtes en train de faire un souvenir du futur 2. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour les gens ? Ben, c'est presque terminé. Presque. Et les couleurs aussi, parce que. Mais il faut tout refaire. Alors là, c'est encore plus cruel. C'est parce que dans ces albums-là. J'ai eu l'idée au début de dire on va faire les petits récits avec Christin évidemment modulés sur 6 pages, 8 pages, 12 pages et puis je vais faire des grandes têtes de chapitre en grande illustration couleur où je vais faire mes couleurs moi-même parce que j'aime bien faire les couleurs moi-même mais pas trop n'en faut quoi. Et on a fait toutes les pages BD. Evelyne a fait toutes les pages couleurs, ça y est, c'est en boîte, tout va bien, elle a fini, et moi je me retrouve comme un con avec mes 5-8 illustrations couleurs à faire, plus la couverture. Ce n'est que le succès, alors là parlons du cinéma, et de la promotion incroyable que Besson nous a fait, qui a fait que maintenant Valérian, je l'annonce, est traduit en 23 langues. 23 langues, et je viens de recevoir la version japonaise hier. On va voir, je ne sais pas du tout si les produits étrangers se vendront bien en Chine, au Japon, en Corée, mais c'est quand même étonnant. C'est un rêve que nous, on n'avait même pas en tant qu'auteur d'avoir des trucs dans toutes les langues. Il y avait l'Europe qui, très vite, Valérian a eu son petit contact, mais. Après, c'est très bizarre. Mais ça, c'est le cinéma qui fait une promotion bulldozer, surtout pour des grosses productions comme ça. D'autres questions ? Oui, allez-y. Est-ce que vous l'aviez imaginé, la BD, sur grand écran ?
enfin en film. Est-ce que quand vous dessinez, vous, comme vous êtes assez cinéphile... Je n'ai rien à voir avec la production cinématographique, c'est-à-dire que moi, mon dessin, il est vraiment à utilisation personnelle. C'est comme ça, j'ai réagi en disant c'est bien, c'est pas bien, et le lecteur, ce que je veux, c'est qu'il s'immerge dans la continuité narrative. Je dirais que le dessin, je m'occupe beaucoup du dessin, de la qualité du dessin, mais un bon dessinateur doit être aussi un bon narrateur graphique, et ça, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que raconter un récit où vous tournez les pages, vous lisez le truc dans un flux absolu et de grande régularité, c'est formidable parce que c'est ça qu'il faut. On lit ça, tout, ça. Et alors que dans les récits, quand on analyse un récit en plus de science-fiction qui saute d'une planète à une autre, d'une époque à une autre, et sans avoir les lourdeurs des systèmes narratifs avant où il y avait et plus tard, enfin, et ailleurs, enfin bon. Alors que maintenant, on a supprimé tous ces trucs-là, parce que si on a le pouvoir et le talent de raconter et que ça glisse et qu'on comprend tout, et bien on comprend. Et ça, c'est ça le principe. Alors après, le passage au grand écran, on n'y peut rien. Personne, voyez-vous, personne m'a mis un revolver sur la tête pour dire vends-moi les droits d'auteur, les droits de reproduction. Non, ça, le cinéma, ils font ce qu'ils veulent. Ça a été une proposition extraordinaire que Besson a fait, évidemment, en disant, mais il a mis 10 ans entre la première signature de contrat, en dire je vais faire le film Valérian. Donc, moi, heureusement que j'ai continué à dessiner sans me préoccuper de ce qui allait se passer sur l'écran. Mais c'est pas quelque chose que vous aviez rêvé vous-même dans les années 60 Oui, enfin, je crois que c'est quand je n'avais pas encore réalisé ce que c'était que la réalisation de cinéma que je me serais bien vu réalisateur de film. Et puis, depuis que j'ai eu justement la possibilité de voir ce que c'était, je bénis le fait que je sois dessinateur et que dessinateur, et je leur laisse tous les emmerdes et les soucis, parce que c'est un métier de fou furieux et admirable, complètement admirable. Mais non, les dessinateurs, on est mais tellement libres. On est devant notre feuille de papier avec un crayon, avec un pinceau, avec ce qu'on veut, et on fait ce qu'on veut. Et personne nous dit « Ah non, ça va coûter trop cher ce dessin-là ». Oui, puis si tu te plantes, ça coûte vraiment pas cher. Hop, un coup de pied dans la corbeille, et on recommence. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que le rapport, tous les dessinateurs sont des fous de cinéma et se verraient bien réalisateurs. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas toujours été convaincant. Est-ce que des films vous ont inspiré de science-fiction ils n'étaient pas sortis quand j'ai commencé à en faire, alors c'est depuis maintenant que c'est le contraire. Hein. C'est un petit peu... Il y a des films qui ont bien regardé Valérian et qui ne disent pas toujours merci. Ça, c'est clair. Et je voulais vous demander aussi, parce que vous êtes de la génération de Jean-Pierre Mondrevon, qui lui avait écrit justement, s'est retrouvé sur le grand écran. Andrevon a collaboré à... Oui, qu'est-ce que... Avec Gondard. Oui, Gondard, c'est ça, oui, avec Lalou, et c'est ça. Hein. Là, donc vous étiez à une époque où c'était tout à fait probable, il y avait Barbarella aussi, c'était tout à fait probable de voir Valérian. Oui, mais ça a été des phénomènes. Enfin, bon, Forest, que j'ai bien connu après, c'est tout simplement... La volonté de Vadim qui avait Jane Fonda sous la main et s'est dit elle serait très bien pour Barbara et Forrest était mais complètement étonné qu'on lui fasse une proposition pareille parce que Forrest dès qu'il y a un truc qui
qui réussissait bien à faire, et même qui avait un petit impact commercial, il laissait tomber pour faire autre chose, parce que ça ne l'intéressait plus. Et c'était un créateur magnifique, mais c'est sûr que c'est le succès de Barbarella vient purement du phénomène Jane Fonda. Et le film que j'ai revu d'ailleurs, que j'ai apprécié modérément. Voilà, bon, ça c'est autre chose. Merci. On peut prendre. Monsieur, il y a une question là-bas. C'est Sylvain. Bonjour. En regardant le film, je remarque qu'une chose qui me paraît extrêmement importante n'est pas expliquée ou mentionnée, c'est que dans les toutes premières ébauches au crayon, la première chose que fait Jean-Claude, c'est d'écrire le texte. Et avant même de commencer à approfondir son crayonné, les premières choses qu'il fait, c'est ancrer son texte. Est-ce que vous pouvez en parler, s'il vous plaît ? Alors, c'est très juste ce que tu dis, Sylvain, avec le fait que quand je commence à ancrer mon texte dans l'image vierge encore de mise en scène, je me le reproche immédiatement et ça m'arrive très souvent de changer. C'est-à-dire que le bloc du texte a forcément sa fonction de donner le dialogue, le sens de l'image, mais aussi de répartir dans la mise en scène de la case et de la lecture, image après image. Tout ça, ça doit être géré en même temps. Et c'est pas innocent la place que prend le texte. Et l'erreur qui m'arrive, mais très souvent, parce que c'est le premier pas, c'est comme mettre le pied dans à l'étrier. Tu commences à ancrer le texte, comme ça au moins c'est fait, et ça commence à poser la base de l'image. Puis après, je me dis, mais c'est pas du tout là que je vais mettre ce texte, je vais recommencer. C'est une erreur d'ancrer tout de suite. Il faut mieux laisser l'espace tel qu'il est et retravailler après. Je crois savoir que le maître à la base était Jigé. Quelle était sa position et son apprentissage par rapport à la chronologie du texte? À quel moment est-ce que le texte atterrit? À quel moment le texte s'est ancré, etc. Et qu'est-ce que tu as gardé de tout ça? Tu sais, moi j'ai très bien connu Jigé, beaucoup, parce que je travaillais avec son fils qui avait une petite boîte de publicité. Et j'étais très copain avec le père et avec le fils. Mais je n'ai jamais travaillé comme dessinateur avec Jigé. C'est Giraud. Giraud a carrément, lui, ancré la première histoire sa première histoire western, c'était La Route du Coronado ou un truc comme ça, qu'il a fait avec Jigé, où Jigé lui a passé quasiment la main très vite. En disant, au début, il reprenait les dessins à l'encre, puis il a laissé tomber. Et le positionnement du texte, des fois, là aussi, lui reprochais, des fois, que son ballon, il venait mal à tel endroit, parce que tu prévois pas tout à fait le cadrage. Le texte fait partie de l'image, et c'est un fardeau, donc il faut laisser au moins le truc de le déménager. S'il y a besoin de le déménager, on le dégage. Alors, quand il y a un grand ciel, c'est pas très grave, tu as de la place pour mettre ton texte. Si c'est une séquence beaucoup plus serrée et beaucoup plus étroite, là, le texte, c'est chiant. Des fois, alors, ce qui m'arrive aussi beaucoup, c'est que, par exemple, je coupe les dialogues de Christin en disant, lui avait prévu, parce que Christin fait un pré-montage de la double page, à raison de 16 cases, pour étalonner son récit. Il fait, en gros, on dit qu'une double page, il y aura à peu près 16 cases. Donc lui, il avance dans sa narration, à pas de géant comme ça. Et puis moi, si je décide que dans ma mise en scène, j'ai envie de faire jouer les personnages d'une manière différente, je peux couper un dialogue et reporter le restant du dialogue dans la case suivante. Donc c'est pour ça aussi que tout ça, c'est un travail
de généralité, mais c'est ça qui est passionnant, c'est d'arriver à dire, mais au fond, je m'emmerde, le scénario, enfin le texte, alors c'est à les engueulades avec Christin, c'est trop long, surtout au début, ouais, il tartinait, il avait tellement peur de ne pas expliquer assez, ou il avait peur que mon dessin ne soutienne pas, etc. Et puis finalement, bah, il a appris à réduire ses dialogues. Et faut dire que par moments, il y a des bandes dessinées. Mais de partout, je vois ça aux États-Unis aussi, dans certains trucs d'action, où tout à coup, il y a un blatèrement de 20 lignes de trucs blablabla, il va falloir que je... C'est insupportable. Donc, le placement du texte est très important, et c'est une erreur grossière de l'écrire tout de suite. Faut surtout pas l'écrire. Bon, on passe au jeu. Voilà, alors on passe alors, au jeu. Je vous explique un petit peu. On a prévu un certain nombre de petites questions que vous va poser Stéphane. Ceux qui trouvent la bonne réponse, enfin le premier qui trouve la bonne réponse, gagne ce qu'on appelle les pochettes surprises chez Papy Niclet. Papy Niclet étant une revue qui ne se soucie pratiquement pas d'actualité, elle est pérenne. C'est-à-dire si vous lisez un numéro d'il y a 12 ans, il n'y a pas grand-chose d'obsolète. Et donc, c'est une revue dont on trouve en permanence tous les numéros. Alors là, on a fait des pochettes surprises. C'est des pochettes surprises dans lesquelles il y a 10 numéros de Papy Niclet. Donc, vous pouvez vraiment découvrir la revue. Sauf que vous ne savez pas lesquels c'est. D'ailleurs, moi-même, je ne le sais plus. Et ce ne sont pas les mêmes dans les pochettes. Voilà, donc il y a 3 pochettes à gagner. Et donc on va, Stéphane, tu peux commencer maintenant. Voilà, puis, alors, les pochettes sont là. L'idée c'est de faire un petit travail, parce qu'on a appelé ça ciné-BD, donc un petit échange avec Jean-Claude, et puis il y aura 3 questions sur le cinéma. Alors Jean-Claude, une image. Plus, non ? Hein ? Il y aura 3 questions. Oui, mais si... Alors, il y en a 3 à gagner. Il y a 3 à gagner. Après, on verra s'il y a des questions très difficiles. Je peux gagner une image ? Eh bien non, parce que tu sais tout, logiquement. Toi, alors, tu as toute la collection. Par contre, ouais, donc là, je l'ai. Première image. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette image, Jean-Claude ? Elle est en 83 dans un pilote. Pourquoi tu as l'idée de faire ça, du coup ? Oui, bon, alors ça, c'est suite à la longue histoire, on ne va pas revenir dessus, que j'ai trouvé... par moment, dans les premiers films de Lucas, surtout le deuxième et le troisième, des choses qui ressemblaient beaucoup à ce que j'avais dessiné, ou du moins dans les mêmes ambiances, les mêmes atmosphères. Et bah, j'ai écrit à Lucas, et surtout à l'époque, c'était de se dire peut-être que s'il aime bien ce que je fais, bah, il pourrait m'engager. Moi, j'avais déjà été aux États-Unis et je voulais... volontiers, j'aurais bien été mouiller ma chemise pour Star Wars. Puis il m'a jamais répondu. Alors j'ai fait ce truc-là. C'est parlant quand même. Hein. Quand on entend bien, c'est très parlant. Et bah, c'est pas que depuis le début, c'est finalement tout au long de Star Wars, il y a des emprunts. Oui, enfin les premiers Star Wars produits vraiment par Lucas, quoi. Et il y a des trucs amusants. Puis il y a des trucs que ça, c'est un montage que j'ai fait. Mais comme je ne sais pas bidouiller les trucs sur Internet, je n'ai pas été recherché. Je ne me suis surtout pas infligé de revoir tous les films. Mmh. Très souvent, même, il y a des photos, c'était des journalistes qui me les ont envoyées. Voilà. Bon, donc, tout ça, ça s'est accumulé. Et c'est de la vieille histoire. Ça fait 40 ans que j'ai écrit à Lucas. Il ne m'a jamais répondu. Eh bien, tant pis pour lui. Moi, je l'ai montré. Au moins, ces dessins-là... On fait le tour du monde parce que ça a été repris absolument partout. Et ça me fait très plaisir. Voilà. C'est un juste retour sans passer par des procès ni rien. C'est plutôt très fair play. Alors la suite. Alors première question. Alors donc du coup, c'est toi qui vas donner la réponse. Alors là, effectivement, c'est dans un album de Valérian, vous avez cette image. Alors la question, c'est quel album et quel film ? Donc le premier qui a la bonne réponse, il gagne une pochette surprise. Allez-y. Alors, 2001, et quel album ? Le premier. Il faut donner le titre de l'album. Désolé. Alors, monsieur, au fait, vous avez le droit de vous faire aider éventuellement ? Ah, Avril, t'as pas le droit de jouer, en fait. Hein. D'abord, c'est bon. Non, là, c'est pas de... Tu peux lui souffler la réponse discrètement, hein, éventuellement, mais très discret, là, c'est moyen, mais bon.
Allez. Donc monsieur, alors, la bonne. Ah, voilà. Cité des hommes mouvants, alors suspense. Bravo! Ah oui! Alors, voilà, gagné! Première prochaine surprise! Alors, Jean-Claude, du coup, on en avait discuté, 2001, je suis en train de travailler un petit article pour la revue, c'est vraiment le film, quand même, à qui vous avez donné une espèce de référence implicite dans Valérian, quoi. Oui, c'est-à-dire que 2001 a été une grande baffe dans la figure, vraiment extraordinaire. Parce que c'était. Moi, je savais, donc j'étais en train de faire La Cité des Épouvantes. On se mettait en selle pour faire Valérian, et ça nous plaisait bien. Et voir le film sur grand écran à sa sortie. Allez, next. Alors, si quelqu'un trouve ça, c'est très pointu aussi, mais je crois que peut-être quelqu'un a une idée. Alors, c'est un projet de science-fiction, un film qui devait se passer dans un pays de l'Est, on va dire. Monsieur, vas-y. Ouais, c'est sûr. Allez, dites-le dans le micro. Difficile attendu, c'est sûr. Oui, c'est très bien. Ouais. Alors, on peut peut-être en parler un petit peu. Donc, une pochette surprise pour monsieur, parce que là, bravo. Alors, on va regarder deux, trois. Voilà. Oui, alors, ça fait partie des miracles économiques étonnants. Voilà. C'est que là, vous avez les photos de la deuxième version. La première version, c'est Peter Fleischmann, metteur en scène allemand, qui avait fait Scène de chasse en Bavière, oui, et qui avait eu un ours d'or à Berlin. Oui. Et puis, donc, il nous avait contactés à Paris, Christin et moi. Et enfin, il m'avait demandé d'abord si je voulais partir en Ouzbékistan avec lui pour aller faire des repérages. Ça, j'avoue que j'ai assez rapidement dit oui. Ça m'intéressait. Et on est parti 10 jours, 15 jours en Ouzbékistan, au sud de la mer d'Aral. Et je dois dire que quand on est arrivé là-bas, l'équipe russe, puisque c'était un film, une coproduction, la première de coproduction germano-franco-soviétique. Donc c'était extraordinaire. Et le gars vivait sur des avances que leur faisaient les banques, mais tout le monde va à la banque. Les Russes attendaient de voir que les Allemands payent d'abord. C'était vraiment au coude à goutte le financement, et le film a mis 10 ans à se faire. Et évidemment, ces grands décors n'ont pas du tout existé tels que je les avais dessinés. Et le film a été, en plus, il est sorti en 89 au moment de la perestroïka. C'est donc il y a eu une indifférence totale sur la sortie du film, qui devait être un événement et qui ne l'était plus, puisque tout se cassait la gueule, tout changeait. Et après, j'ai vu à la Cinémathèque, il y a 3 ans, la deuxième version, toujours d'après le film des Strugatsky, une deuxième version encore plus crade que celle qu'on a fait, puisque... Et je veux dire, je l'ai vu entièrement en russe. Oui, vous êtes pas quand même. Mais c'était peut-être un très beau film. Ça m'a pas tout à fait enthousiasmé. En tout cas, il reste vos beaux dessins qui sont dans les extras de Mézières, Thomas, je crois. Hein, ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Voir les dessins. Alors, et pour ceux qui veulent voir Jean-Claude le making of, ça vous devez vous en rappeler, vous avez dessiné ce que vous venez de raconter, c'est-à-dire comment le film ne s'est pas fait, dans un numéro hors série de pilote sur le cinéma. Donc ça se trouve encore, c'est assez rigolo. C'est toujours très beau les cinémas, ça démarre toujours formidablement bien, j'adore ce que vous faites, et après, boum, ça se casse la gueule. Alors, autre question autour d'un taxi volant. Cinquième élément. Quel film ? Mais alors là, il faut donner le film et l'album de Valérian. Parce que le film, c'est très facile. Oui. Alors, il y a monsieur là qui... est-ce que monsieur peut jouer ? Oui. Ah oui, il y a plus. Il peut jouer, monsieur. Alors, qu'est-ce que monsieur nous dit ? Je ne sais pas. Quel album ? Alors, quel album ? Il faut dire le film déjà, ce serait... de Valérian. Et oui. Alors, le film, c'est quoi ? Le film, le cinquième élément, ça, facile, tout le monde l'a trouvé. Mais l'album, alors, Patrick. Alors, il le sait. Alors, pas de pad, on ne va pas faire gagner deux fois. Astérix en Hispanie. Astérix, ce n'est pas un Astérix, vous allez faire. Dans la balle de lessive à la place. Alors, quand même, dans la salle, un album de Valérian. C'est pas la marque jaune. Non plus, quand même. Alors, on pensait que c'était facile, hein, cette question. Sinon, on passe à une autre question que vous allez peut-être trouver. Hein. Donc monsieur gagnera quand même un numéro de la revue Papier Niclé. Mais il est abonné. Il est abonné, donc ça ne sert à rien. Le collaborateur de la revue. Il pourra l'offrir à un ami dans la salle, éventuellement. La madame. Il vous a soufflé. Alors on va, voilà. On ne dit pas, quoi, non, parce qu'on veut savoir. Voilà. Le cercle. Les
cercle du pouvoir, dit madame. Alors, on va vérifier. Elisa, c'est Elisa qui travaille avec nous, qui nous permet. Donc, cinquième élément, ok, oui, oui. Eh bien, bravo, madame. Une petite pochette surprise. Je suis très content. Alors, parce peut-être, Jean-Claude, pour terminer, dire deux mots sur cette collaboration avec Luc Besson. Alors, ça a été une chance pour vous, pour Valérian, globalement, cette rencontre? C'était une chance pour lui, d'abord. Oui, aussi. Bah oui, parce que... Non, ce qui est amusant, c'est de penser que, incontestablement, Besson était un petit lecteur de 10-12 ans qui a bouffé du Valérian dans les pilotes, etc., et qui a maintenant le pouvoir de dire bah, « Non seulement j'aimais bien, mais je veux le faire. » Et c'est vrai que le personnage de Laureline dans Valérian, ce personnage féminin qui arrivait dans la bande dessinée, où on ne voyait quasiment jamais de nana dans les bandes dessinées en France, a marqué tous ces personnages féminins qu'il a créés après, depuis Nikita et les autres, les filles costauds et décidées. Alors, bon. Et maintenant, ils font des procès. Et maintenant, ils font des procès, tant pis pour eux. Voilà, alors, il faut savoir qu'effectivement, c'est l'Empire des Mille-Planètes, enfin, la Cité des Mille-Planètes. Le film, la bande dessinée s'appelle L'Empire, mais en fait, alors là, on peut faire gagner une revue, un exemplaire du dernier numéro à celui qui va trouver. Le film n'est pas vraiment l'adaptation de L'Empire, il prend le titre, mais c'est l'adaptation d'un autre album de Valérian. Alors celui qui trouve gagne le dernier numéro de Papier Nickelé, on va dire. Alors, parce qu'effectivement, il y a cette idée de deux albums, et alors, quel serait l'album de Valérian? Qui a vu le film d'ailleurs? Monsieur, est-ce que vous voulez dire l'album? L'ambassadeur des ombres. Bien, monsieur a gagné un numéro, bravo. Voilà. Alors, est-ce que c'est vos albums préférés? Enfin, quel est votre Valérian, Jean-Claude, votre Valérian préféré? Ça serait lequel? Bah, moi, j'ai si, du ça. Mal à faire le tri. Oui, du coup, ouais. Ah, ouais. Et là, c'était le préféré du Besson? Je pense que c'est un de ses préférés. Ouais. Mais je crois aussi que c'est parce qu'il a jugé, en tant que créateur du film, donc d'une histoire qui s'inspire de nos thèmes, mais où il a forcément remanié tout à fait le récit, où il a pensé que c'était un bon sujet avec des tas de ramifications qui l'intéressaient à explorer. D'accord. Il y aurait une suite de Valérian au cinéma, vous êtes bon. Cher ami, si c'est moi qui produis, oui. Je dis oui, oui. Mais... Alors, en tout cas, Jean-Claude, on va vous remercier. On va remercier Edine d'avoir été présent, hein, parce que c'était quand même une chouette rencontre. La rencontre n'est pas finie, donc peut-être dire que vous nous faites un petit cadeau pour ceux qui vont venir. Bah, on vous invite tous à boire un verre, déjà, sans problème, à la librairie. Et le choix de Lex Libris, là, vous avez choisi un Lex Libris qui est assez étonnant. Deux mots, pourquoi? Pourquoi c'est... Parce que c'est une jolie image, point. Avec une jolie fille. Voilà. Hein, on m'en dit pas plus. Ah, elle est quand même canon. Hein. Je peux pas faire autrement que de prendre la Laureline. Et puis voilà, moi je voudrais vous remercier de votre univers. J'ai mis comme conclusion cette jolie phrase, parce que vous aviez travaillé pour une agence de pub, et il y avait ce texte-là, qui me semble très beau aujourd'hui. C'est « Nos rêves sont sans limites pour construire votre avenir oui. ». Alors continuez de rêver pour nous, ça nous fera du bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui est devenu cette agence de pub, d'ailleurs. Voilà, l'image reste. Voilà, merci beaucoup pour cet échange, en tout cas. Apparemment, la reprise de la série... Et puis, il y a le... Ça me drouillait, il fait ces trucs-là sous... Ben, toi, il y a toute une volonté de faire des tout petits personnages, de faire un truc gigantesque. Et à ce moment-là, tu prends plus de papier, et tu fais un grand dessin, et au moins tu peux dessiner, parce que là, c'est quand même des crottes de rouge. C'est surtout qu'il faut d'abord écrire le texte, tout ça, et après tu fais un petit dessin. Là, le texte... Il y a une approche de dire que si c'est un dessin un peu technique, un peu architecture, etc., je vais y aller à la plume parce que c'est plus précis. Le pinceau, si c'est des cheveux, si c'est une silhouette, si c'est des vêtements, allez hop, on y va en pinceau parce que là, il y a plus de souplesse, plus de suivi.
quand ça marche. Caroline. Et le livre, ça sera pour